Après une matinée assez calme, la tension est montée d'un cran en début d'après-midi dans les rues de Paris, et notamment sur les Champs-Élysées. Des manifestants, certains vêtus de gilets jaunes, ont tenté samedi d'incendier la façade du drugstore Publicis situé en haut des Champs-Élysées à Paris, où les tensions montaient d'un cran, après une matinée plutôt calme. Des manifestants ont incendié des sapins qu'ils ont placés contre la façade dont plusieurs protections en bois ont été arrachées. Quelques-uns sont rentrés dans le drugstore avant que les forces de l'ordre ne repoussent quelques dizaines de manifestants à l'aide de grenades lacrymogènes. Une jeune femme blessée à la tête en face du drugstore a été évacuée. Des policiers ont investi l'établissement pour empêcher les manifestants de pénétrer dans le magasin par la vitrine brisée et certains ont tiré des flashballs. Un homme a été blessé point dans des rues près de la place de l'Étoile, quelques carcasses de voitures brûlées gisent sur la chaussée. Des vitrines de magasins, une agence immobilière, une boutique d'équipement de golf, ont été brisées avenue Marceau.